Vous êtes là. Ça tombe bien, je voulais vous parler de quelque chose. Moguri. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de l'Hebdo JV. Et bienvenue dans l'Hebdo JV. Bienvenue dans l'Hebdo JV. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo Jeux Vidéo. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo JV, qui est toujours la seule hebdomadaire bimensuelle du PAF. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo JV, nouvelle formule. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo JV. Eh, bienvenue dans l'Hebdo JV. Silence sur le plateau, s'il vous plaît, avant que je me lance. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo JV, une émission pour laquelle je n'ai toujours pas d'intro vraiment originale. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc, salut Médoc. Salut. Avec Emeric, salut Emeric. Salut Mogoui. Contrairement à ce que cette ambiance faite de rideaux blancs peut laisser suggérer, nous ne sommes pas sur le point de tourner un film érotique cheap. Salut. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo JV, aujourd'hui on est assez nombreux, je suis avec Anis. Un hasard assez troublant. Mais je suis surtout avec Nordine et Pierre-Alain du studio Dowino. Anis. Salut. On est avec Johan et Frédéric. Je suis aussi en compagnie de François, mais aussi de Geoffrey Bruno, maître de conférence à l'Université de Reims. Et aussi avec Zordon, puisque c'est le nom que j'ai décidé de donner à cette table, rapport à son côté lumineux et aussi au fait qu'elle nous donne des missions. La mission notamment de vous informer. Je suis avec Médoc, provider d'entertainment, mais aussi avec Ong et Sylvain Casté. Dis-donc, je te regarde Médoc là et je suis en train de penser, c'est un peu cher les Médoc, non? Et par un hasard presque troublant, c'est Tude qui nous a rejoint sur le plateau. Salut Tude. Alors déjà, est-ce que je t'appelle Tude, est-ce que je t'appelle Adrien ou même Patrick si tu veux, je sais pas, dis-moi. Alors est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que Nintendo est en train de foutre? Aujourd'hui, on ne va parler ni de Kanye West, ni de Julien Lepers, alors qu'on avait des raisons de le faire. Mais on va plutôt parler de jeux de combat. Aujourd'hui, on va parler principalement de la Global Game Jam. Aujourd'hui, on va parler de Nintendo, de jeux de go, mais aussi de hack and slash, mais aussi et surtout de Dark Souls. Je vous laisse essayer de trouver un rapport entre tout ça. Aujourd'hui, on va parler de réalité virtuelle. Aujourd'hui, on va parler de narration dans le jeu vidéo. Donc ça va être cool, ça va être un petit peu long. Pour cette hebdo JV dans lequel on va parler de démo making, et surtout d'horreur, puisqu'on va recevoir en deuxième partie d'émission Toyama Keiichiro, le créateur entre autres de Silent Hill et Forbidden Siren. Caution asiatique, de la rédaction. Également de la rédaction, ouais, effectivement, parce que c'est important. Quoi. Bienvenue donc dans l'hebdo JV. C'est tout de suite après ça. Bienvenue dans l'hebdo JV. Donc bienvenue, du coup, dans l'hebdo JV. Bref, c'est l'hebdo JV, donc je vous propose de regarder le générique tout de suite. Mais avant ça, je vous propose de regarder un générique qui lui aussi est totalement virtuel. Et alors que cette introduction est à peine commencée, voici déjà le moment de regarder le générique. El generico. Et je vais ensuite lancer le générique. Tout simplement. Et maintenant, je sais plus ce que je dois faire. Je suis gêné. Générique. Générique. Du coup, je te propose de regarder un générique. Voilà, c'était Moguri. Rideau.